On va parler sur le limogeage de Mouktar Diallo. Vous savez, sur ça il faut qu'on parle, sur ça il faut qu'on communique. On doit communiquer. On sait très bien si Mouktar Diallo devait avoir un autre poste, il allait l'envoyer au niveau du garage du gouvernement. Parce que c'est là-bas qu'on a vu les ministres d'État sans portefeuille, comme Boubacar Bigot. Il est au garage du gouvernement, il a été nommé ministre d'État tout court, ministre d'État sans portefeuille de l'État, sans portefeuille. Mouktar Diallo a récolté plutôt ce qu'il a sémé. C'est ça. Mouktar Diallo, il a dit Abaragelande. Alors moi aussi, je l'ai dit Abaragelande, Mouktar Diallo. Abaragelande, tout. Abaragelande, Tina. Abaragelande, Tina, Bourangarambi. Donc, de dire, ouais, d'autres peuvent dire, on peut tomber sur les pièges du gouvernement. Mais non, on s'en fout de ces pièges maintenant. Non, on s'en fout. Et donc, tout ce qui se passe en Guinée, on doit commenter, on doit communiquer sur ça. C'est ça l'image d'Alpha Condé, la trahison. Alpha Condé a trahi le peuple de Guinée. Voilà, excusez-moi. Alpha Condé, Moula Arago, du placé à Fanya, il n'y a pas de problème. Alpha Condé a violé, a trahi le peuple de Guinée. On a vu tout ça. Il a trahi le peuple de Guinée. Il a trahi les Guinéens. Et même Alpha Condé va... Il ne sera fidèle à aucune personne, à aucun Guinéen. C'est pourquoi l'une de mes vidéos, je disais ici, tous ces clochards qui sont là, les ministres, les Mouktar Diallo, les Papa Koly Kourman, les Aboubacar Sylla, Alpha Condé va les remercier. Ils seront tous limogés, là je vous dis. Ils seront tous limogés. Ils seront bien sûr tous limogés. Donc, sur ça, on ne peut pas rester sans communiquer. Le peuple a été trahi par Alpha Condé et son clan. Et donc, dans ça, on ne peut pas dire on va rester ici sans communiquer, on va rester sans parler, on ne va jamais tomber dans leur piège. On ne va jamais tomber dans leur piège parce qu'on sait comment ça fonctionne. 2010, tous les alliés d'Alpha Condé, les Lansana Kouyaté, les docteurs Ousmane Kaba qui étaient là à se tracasser la tête pour dire plutôt que il va accompagner Alpha Condé parce que c'est son frère pour gouverner les ethnos comme ça. Et surtout les Mouktar Diallo qui viennent tout juste d'être limogé, qui s'est rébellé contre sa communauté. Plus de combien de jeunes peuvent assassiner? Mouktar Diallo était là, Abaragelande. Oui, il savait ce qui a tué les jeunes de sa communauté. Il savait bel et bien, oui, ce troisième mandat a tué les Guinéens. Les jeunes Guinéens ont été tués pour ça. Les jeunes Guinéens ont été tués pour ça. La majorité des Guinéens, si vous prenez la majorité des Guinéens, surtout là, la majorité des victimes, ce sont des peuples. Mouktar Diallo, il part à Pita pour dire... Pitano, c'est Alpha Condé, Pitano, les sages, certains sages de Pita aussi. Certains peuls, sages de Fouta, de Pita. Je peux même leur dire malhonnête. Parce qu'ils faisaient des vidéos pour dire, Mbao, Mouktar Diallo, Mbao, Alpha Condé, parce qu'on les a donné les 100 000 francs guinéens. Mouktar Diallo, aujourd'hui, tu es où? Même si demain on te nomme premier ministre, nous, on s'en fout de ça. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu es humilié. Parce que tu as humilié les peuples. Parce que tu as humilié les Guinéens. Parce que nous savons très bien. Tu t'es battu. Tu as trahi les Guinéens. Tu t'es battu pour le mensonge. Et tu vas mourir dans le mensonge. La seule personne qui peut dire aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est la personne qui a toujours défendu la vérité. Même si tu ne gagnes rien à manger, il faut réellement te battre pour la vérité. C'est pas le matériel là n'est rien. La dignité avant tout. C'est pourquoi j'ai un message très fort pour les peuples aujourd'hui. J'ai un message très fort pour les peuples. Là, je vais parler d'abord en peuple pour ce message. Et to pegoto la marque miyota dundo point go to petit et full bébé.
si on yi hande e wonnobe yennude fulbe ben hande hande mi cité inde mabbe den foga na okugolbe valeur mais mi cité inde mabbe den fo mi noddebe foga o sukaynete do Ousmane Nieloy do ande mingo yennuno nena o yenni la nene baba o yenni fulbe ben yenni ala ko watta wi parce que hande hande yenno elaz Ousmane fata ko sans loi on neddo don ko fulbe ben fop woné yennude Ousmane Nieloy do en yino o yenni leñongol pop pop elaz Ousmane sans loi o yenni modo en pop en yino dum do comme boy nata wo sans Ousmane Nieloy yennal fulbe ben fow korbon ya balde combo innata on do yennali leñongol fow fulbe ben fop ga minami pullo kono min si mi ande pullo wo pullo woné vi partage de vidéo korbon ya balde Ousmane Nieloy Fatou Nieloy madou o Moukhtar Diallo ma ba Ousmane innugol parce que ko be fulbe hare on tigi pullo si mi andima mi wade vidéo mi critique ma mi halana ma nopi ko na mi halana ma haraji ko natata ka nopi ma do yaltira seraga parce que on l'achete yagal on escro yagal mi morlay si la mi ala e mon fess mi si mi inni ni ko ni ben don c'est que hare si mi fulbe wobe gono publia vidéo ji ben don min ne vraiment fulbe ben no c'est que fulbe ben no yeggita vite he situation ji gono ton ko yeggitete surtout nyam piwe gono ton yeggitata ke iden wa munyade munyago kono en yeggitata en yeggitata min sosojo arnodo hanki critique no fulbe ben hande hanki ngangi o arba o arba o fulbe ben hande mi lan woni ak mi c'est que lan woni prêt accepte go on neddo don mi accepte mo parce que ko sosojo ma manin kajo wonno do critique de e fulbe ben hanki o arba o fulbe ben mi woni apte mi woni 100% d'accord on don ara mais pullo arata o kadi ko bi pullo tigi o occasionnant yimbe fulbe ben combien de personnes wara fulbe ben combien de personnes assassina fulbe ben combien de personnes woni e watina bambe to hande si a inama ko pullo ko be lanchudi si a inama ko pullo bi en kala ko jogutu da kon ko be bonnudi harata o kadi ko dun soso ben innata koro mi risembe bo ke ka muso me ha bangi ha sab se ki ha ya tigi munana ko nyannejo ka nyannejo ma c'est que nyannejo wawata arde nata ka galle ma nyamugol goddo ka galle ma don ka suru don si njatigi makko ala der ton donc Alpha Condé hande o natugol bonnugol fi fulbe ben ko e fulbe ben o yi ko e kanko e fulbe ben wobbe bibbe fulbe ben woni ko peur de mu donc c'est que on wawata femme de politique be mut Moukhtar Diallo anduno be limousé no mo o yi wayno ton hay jango sobe nomi mo premier ministre moi mort les là je m'en fous de ça et gadi kanko do mi fala ka yide mo kanko c'est lou dalay jallo dum non que cela soit très clair Moukhtar Diallo c'est lou dalay jallo mi fala ka yidou de be fess mi leñol gol la woni d'accord mais Moukhtar Diallo ba Ousmane et be korbon ya balde ba be andi fi mabbe geni lanchede parce que ben do haja no be han projet mabbe 3e mandat marsa be arado be fempo wadgol video ji Ousmane Nieloy en korbon ya balde en Fatou Nieloy en be wada bi ido ngandi Ousmane Nieloy en Fatou Nieloy en ben non surtout Fatou Nieloy ben non be susata wadde video taw be andi won be susata wadde video be ya be pousa korbon ya balde ma Ousmane Nieloy en ben non wada video ji innugol leñongol est-ce que onu don way défendre leñongol ono Ousmane Nieloy Fatou Nieloy korbon ya balde madum hombo est-ce que beno wawi hande position na dargol yewtugol e inde leñol fulbe be nous on s'en fout de si goddo no inni hande no souteni korbon ya balde hore dum do video ji ko woné wadde ko dum do ko haaji on tigino mi mor lay si la mi ala e dum do on escro yagal on nafik yagal mi ala e mu donc si fulbe no ton wawbe yeggitu de hanking ko fi hanking hayna e moi ko be ngare no do yenna representant fulbe be fop coordinateur hal pour la fop kero no do waye gitu de dum don he en ye gita ta hay Nelson Mandela innuno ko fe ino 27 ans ka prison ou non woni histoire mako oye o innuno o ye gita ta ko no munyike la patte do noddi balé be wonodi endu be wonodi porto ben o enni ko non warno biro an hanki o yaina ko non warno ka wan hanki munyo den ko den ande ye gita ta parce que dum non ko ka histoire yaate fulbe ben warama hande fure fulbe bibbe fulbe combien wattina hande
Kerano ful bebe don waye gitu de dundon be wol be sabu. Harta paske on ye gite paske ko be pullo. Paske Ousmane ñu le war no video ko. O inni ono maninka be so wadi an selu dalen jallo jetti pouvoir do. Ono maninka be fi mon la ni. Min ko komi pullo men arego men hala ni be munyam be acciano men paske ko men fulbe. Ah donc waré ko gonga. On partage video di mabbe di hare paske ko be fulbe mo duma nombe. Ino mo munyane be madum wadé video partageon video di mabbe di. Donc mimmi ala on escro yagal li mimmi ala on escro yagal komba an on hande any do leñol pullo mingi on tigi ko yite onata hakkundame parce que injustice no e hore mabbe na hande mimmi fuddi komba an donc acte partage gol video Ousmane ñelo en corbon ya balde ma fatu ñelo yobe yabe tempura to ko be wontir to o kambe andi don yobe wontir to men falaka yide be tabe de na futa woni ka mabbe de. Et Kadi sont très mal placés pour défendre le peuple en Basse Guinée. Ils sont très mal placés pour défendre le peuple en Basse Guinée. Ils sont très très mal placés. Donc si tu as le peuple en on algol partage la vidéo hein corbon ya balde ko dun yewti hande Ousmane ñele ko dun yewti hande ma dum ni ni je ne suis pas dans ça bay be andi woni be abandonné be woni basi be abandonné be don noko ala ko be yara ko fi dundo be on are ñande go are on yebe wada video men tor ke fulu be ben fop yebe munyo min pullo pullo mo mi andi partage video partage do video corbon ya balde Ousmane ñele balde eh Ousmane ñele jallo eh Fatou ñele partage wo video ben don on fi in ko be defandi fulbe ben on tigi mi wada video mi critique on nata do yaltira do parce que min mi ala e dum do min mi tutata kadi mi metto mi ala e dum simi inni ako a voilà ko dum dom donc le message que je suis en train de dire ici les Ousmane Yoloy les Corbon ya balde ils sont très mal placés aujourd'hui pour défendre la communauté peul et surtout en Basse Guinée. J'ai toujours défendu la communauté peul et je me suis toujours battu pour que les peul et les soussous consiguent le même verbe en Basse Guinée. Je suis de la Basse Guinée, je suis soussou de père et de mère. Vous pouvez vérifier les archives. Mon père est soussou, ma maman est soussou. Je ne suis pas peul. Je suis pour l'unité des peul et les soussous aujourd'hui parce que je sais Alpha Condé manipule les communautés, les autres communautés contre les peul. Il y a combien de peul assassinés aujourd'hui? Et Alpha Condé a misé sur les peuls, certains peuls, pour assassiner les peuls, pour exterminer l'ethnie peul, pour finir avec les peuls. Et si je vois aujourd'hui d'autres publient les vidéos des Corbon ya balde, les Ousmane Ñeloy, les Fatou Ñeloy pour dire qu'ils sont là pour défendre les peuls. Si je vois un peul partager ces vidéos-là, franchement, je ferai des vidéos pour critiquer la personne et pour dire la vérité, mais dire vérité à cette personne. On ne peut pas oublier que les peuls ont été massacrés ici en Guinée-Conakry. On ne peut pas oublier que les peuls sont toujours victimes de l'injustice d'Alpha Condé. On ne peut pas oublier que les peuls sont marginalisés. Si tu es peul aujourd'hui, tu as des mille problèmes en Guinée-Conakry sous le régime d'Alpha Condé. Il est hors de question qu'on les accepte. Donc, les peuls ne sont pas réellement, ne sont pas les seuls en Guinée. Mais si vous voyez, c'est que pourquoi les peuls sont toujours victimes. Parce que le chef de file de l'opposition guinéenne est peul. Pourtant, c'est tous les Guinéens qui souffrent aujourd'hui. On a vu les soussous, les malinqués. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Haute-Guinée. Et donc, réveillons-nous. On ne peut pas oublier. Pour construire le futur, on n'oublie pas le passé, mais on pardonne. Donc, ça, c'est l'histoire de la communauté peul. Sous le régime d'Alpha Condé, il y a eu près de 400 peuls assassinés. Oui. Ça c'est l'histoire des peuls. Vous voulez l'entendre ou pas, on va dire ça. Vous voulez l'entendre ou pas, on va dire Alpha Condé a tué les peuls. Et puis c'est pas un peul qui communique comme ça. C'est un soussou qui parle, qui est l'avocat international de Selou Dalen Diallo. Je l'ai toujours dit, je suis soussou de père et de mère et je suis très fier d'avoir un peul comme mon leader, mais un peul qui se sent guinéen. Il est là, Selou Dalen Diallo. Voilà, c'est fini. Pour les Moukhtar Diallo, tous ceux qui sont en train de voir, ça, comment je peux dire, ça c'est de la fumée. Il y a le feu qui arrive. Tefafi. Et après ça, mesdames et messieurs, on va parler sur Madame Fatou Bangoura, qui vient d'être arrêtée, militante. Elle est militante du RPG Arc-en-Ciel. Je les ai dit ici. Vous avez soutenu le mensonge, vous allez tous mourir dans le mensonge.
Arrêtons, militants de l'UFDG, arrêtons de commenter ces publications de ces Fatou Bangoura. Nous, on s'en fout de ça. Moi, je l'ai dit, que tu sois Soussoupe, Malinké, tu restes derrière Alpha Condé, Wonta Marato, Maratina Buranga Kambi. Donc, que la dame Fatou Bangoura meurt en prison, c'est son problème. Et c'est le problème de sa famille. Nous, on s'en fout de ça. La dame Fatou Bangoura, qu'elle meurt en prison aujourd'hui, nous, on s'en fout de ça. Cela n'engage que sa famille. Cela n'engage que qu'elle. Donc, elle est là. Elle ne défend pas l'intérêt des Guinéens. C'est l'intérêt de son groupe. Parce qu'elle n'a pas eu de poste. Elle a dit que le gouvernement refuse ou que Alpha Condé refuse de lui recevoir au palais Sérou-Touréa parce que tout simplement, elle est analphabète. Donc, vous savez, c'est son intérêt. Et donc, qu'ils se mangent entre eux là-bas, nous, on s'en fout de ça. Mais on va communiquer sur ça. On communique. Mais pas pour faire la promotion pour ces gens-là. Ils sont tous malhonnêtes. Alpha Condé, d'Alpha Condé de A à Z, d'Alpha Condé jusqu'à la dernière personne du gouvernement actuel, du régime actuel, des membres du RPZ arc-en-ciel, ils sont tous malhonnêtes. Ils sont tous malhonnêtes. Vous n'avez rien vu d'abord. C'est que le RPZ arc-en-ciel traverse une zone de turbulence. Ça ne va pas du tout. On a vu Bani Sangaré ou Mani Sangaré, le secrétaire général du RPZ arc-en-ciel. Il est où aujourd'hui? C'est que Soapé Kourma a ce même problème. Donc, ils sont à gogo qui sont frustrés aujourd'hui au sein du RPZ arc-en-ciel. Gardons de l'espoir. Et il faut qu'on se dise une chose. C'est Loudalen Diallo reste et demeure l'unique président de la Guinée-Conakry. Je suis fier de cet homme. Si ce n'est pas ce temps, personne n'allait parler de Morla ici, là, l'enfant de Kanyan, sur les réseaux sociaux. C'est son amour qui m'a poussé réellement à me battre contre l'injustice. Et donc là, le combat, là, continue. Et il va forcément continuer. Donc, c'est ça. Qu'ils se mangent entre eux. Laissez-les tranquilles. Oublions-les plutôt. Oublions-les. Laissons-les là. C'est qu'ils vont se manger entre eux. C'est ça. Hey, le mensonge. Et Ribari oule puis femme oule nankui. Si tu es né dans le mensonge, tu vas mourir dans le mensonge. On a vu le sang des Guinéens ont coulé contre ce troisième mandat d'Alpha Condé. Alpha Condé, tout ce qui l'intéresse, c'est son troisième mandat, c'est le pouvoir qui intéresse Alpha Condé. C'est un homme assoiffé du pouvoir. On ne peut pas maintenant croiser les bras. On sait qu'ils sont en train de traverser un moment très difficile. L'UFDG ne traverse pas un moment difficile. Hein. Nous avons les combattants qui sont incarcérés, certes, mais nous ne traversons pas un moment difficile. Regardez en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, il a fait son troisième mandat, il est là. Est-ce que vous avez entendu quelque chose en Côte d'Ivoire de dire des trucs comme ça? La France a apprécié, a félicité Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à là où nous sommes, la France n'a pas encore félicité Alpha Condé. Et la France prend des dispositions contre le régime de Conakry. Et voilà, là nous sommes en politique, on doit tout comprendre. Excusez-moi, donc là je vais vouloir vous laisser, il est l'heure maintenant. Donc nous sommes en politique, nous savons très bien que ce n'est pas facile du tout. Rien n'est facile et continuons le combat. La France va bientôt sanctionner Alpha Condé, je vous promets. La France, l'Union Européenne. Vous savez, l'Union Européenne n'a pas encore félicité Alpha Condé, la France non plus. Les États-Unis non plus. Donc, les Occidentaux vont bientôt réagir. Gardons de l'espoir. Mais moi, Morlaï Silla, retenez une chose. Ma dignité est sacrée. Je prie le Tout-Puissant Allah de me garder longtemps et pour toujours au sein de l'UFDG. Je suis fier de cet homme.